بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Dieu, à lui le pouvoir suprême. Et à lui les louanges, et il est le Tout-Puissant. C'est lui qui vous a créé. Certains d'entre vous sont des négateurs, tandis que d'autres sont croyants. Et Dieu observe tout ce que vous faites. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il vous a façonné et donné des formes accomplies, et c'est vers lui que vous retournerez. Il sait ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Il sait ce que vous dissimulez, comme ce que vous révélez, et Dieu connaît parfaitement le contenu des poitrines. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. L'histoire de ceux qui rejetèrent la foi dans le passé ne t'est-elle pas parvenue? Ils goûtèrent aux conséquences néfastes de leurs actes, et dans l'au-delà, ils recevront un douloureux châtiment. Il en est ainsi, parce que leurs messagers leur venaient avec des preuves évidentes, mais ils disaient, « Est-ce de simples mortels qui nous guideront ?» Alors ils rejetèrent le message et se détournèrent. Mais Dieu pouvait parfaitement se passer d'eux, il se suffit à lui-même, et il est digne de louange. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. Ceux qui ne croient pas prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis-leur, mais si par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, et on vous rappellera alors ce que vous faisiez, car cela est facile pour Dieu. Croyez en Dieu et en son messager, ainsi qu'en la lumière que nous avons révélée. Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك
أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Un jour, il vous rassemblera pour comparaître devant lui. Ce sera le jour de la déconvenue. Quiconque aura cru en Dieu et fait le bien, il lui effacera ses mauvaises actions et le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. Tel sera le triomphe suprême. Quant à ceux qui n'auront pas cru et qui auront nié nos versets, ce seront les habitants du feu dans lequel ils demeureront éternellement. Et quelle mauvaise destination! ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Nul malheur n'atteint l'homme sans la permission de Dieu. Quiconque croit en Dieu, Dieu guide son cœur vers la bonne voie, et Dieu est omniscient. Obéissez à Dieu et à son messager. Si vous vous détournez, alors sachez que la mission de notre messager ne consiste qu'à vous transmettre clairement notre message. Dieu, il n'y a pas d'autre divinité à part lui. Que les croyants placent donc leur confiance en Dieu. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. Ô vous qui croyez, certains parmi vos épouses et vos enfants sont de véritables ennemis pour vous. Prenez garde donc, mais si vous les excusez, passez outre leurs fautes et leur pardonnez, alors sachez que Dieu est pardonneur et très miséricordieux. Vos biens et vos enfants sont une tentation pour vous, mais auprès de Dieu se trouve une énorme récompense. Alors craignez Dieu du mieux que vous le pouvez, écoutez, obéissez et dépensez de vos biens en charité. Cela est bien meilleur pour votre âme, et ceux qui auront été protégés contre leur propre cupidité, ceux-là réussiront. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. Et si vous faites de bonne grâce un prêt à Dieu, ce dernier vous le multipliera et vous pardonnera. Dieu est reconnaissant et indulgent. Il connaît le monde invisible comme le monde visible, et il est le puissant, le sage.